plusieurs groupes viennent avec les enfants de leur centre de loisirs ou de leur association ou de leur mairie ou de voilà. Et ils arrivent le lundi, ils s'installent, ils plantent les tentes, ils montent une tente cuisine. Et puis l'idée tout au long de la semaine, c'est de construire collectivement avec les différents groupes qui sont présents une sorte de vie en collectivité, même si au départ on ne se connaît pas, on va apprendre au fur et à mesure de la semaine à se connaître. Le rôle des animateurs qui viennent sur le séjour, ils accompagnent leur groupe dans tous les moments de la vie quotidienne, alors la préparation des repas, l'accompagnement vers les douches, le couchage, les veillées. L'idée c'est vraiment qu'eux ils soient en animation de leur groupe et que le responsable de la base soit plutôt sur l'animation des ateliers spécifiques et puis la coordination de l'ensemble de la vie des différents groupes. Moi, mon rôle, c'est un rôle donc déjà d'animation, c'est-à-dire proposer des jeux aux enfants, d'être force de proposition quand eux n'ont pas d'idée, parce qu'on leur propose bien évidemment, eux d'abord, de leur demander ce qu'ils veulent faire, puisque le but, c'est leurs vacances, donc c'est à eux d'être acteurs de leurs vacances, pas spectateurs. Donc nous, on est là pour proposer des choses, évidemment, tout le temps, à réaliser ce qu'eux ont envie de faire. Et puis sinon, c'est aussi de l'encadrement et de l'accompagnement lors des activités proposées par les intervenants. Donc ici, c'est le cirque. C'est d'accompagner les enfants, de faire aussi comme eux. Enfin, c'est de voir qu'on est aussi... on n'est pas seulement là pour cadrer tout ça, on fait des activités avec eux, pour eux, on les aide à réaliser pour que ça se passe le mieux possible et qu'ils s'investissent le plus possible eux-mêmes dans leurs vacances, quoi. On a un lien assez fort avec la mairie du Lion d'Angers qui met à disposition à la fois le terrain, à la fois les sanitaires qui sont derrière, et puis... qui nous permet de l'accéder à la fois à l'école et à plusieurs salles à l'intérieur de l'école afin de pouvoir y mener les ateliers autour des sciences qui fonctionnent sur la base. Alors sur les semaines précédentes et sur la semaine prochaine, cette semaine on n'a que un atelier, un groupe autour de l'atelier cirque. Du coup, le lien avec la mairie se fait sur cette mise à disposition et sur le prêt et la mise à disposition des locaux. La thématique du cirque, alors le cirque, en fait les enfants viennent participer à un atelier autour du cirque sur trois fois une heure et demie. Le principe c'est de découvrir un certain nombre de techniques, de choses autour du cirque, hein, de la jonglerie, de l'équilibre, un peu de clownerie parfois. Alors la parade, il faut toujours quelqu'un devant et pas sur les côtés parce que des fois c'est moi qui fais d'abord ma parade. C'est toi devant moi. Mets-toi devant moi s'il te plaît dans l'autre sens. Tu regardes Thomas. Hop, attrape. La parade, vous regardez bien, on attrape bien les poignets des gens. Tiens, baisse les mains. Attrape mes poignets comme ça. Non, mes poignets. Comme ça. L'autre. Et voilà, tu me tiens. Si jamais je tombe, tu me rattrapes. Mmh. Tu vois, je peux m'appuyer sur toi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça marche, hein? Dans le cirque où je suis allée, il y avait un enfant, il était sur une table, il faisait du rouleau américain et jonglait en même temps. Ah ouais? Une petite table. Il était fort. Je la mets à la verticale, je la fais tourner, la verticale et je vais la ramener sur le ça vous a plu ou non, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Lydia. Tout m'a plu. D'accord. Moi aussi. Baptiste, ok. Yanis, ça t'a plu ou pas ton atelier? Cool. Baptiste. Moi tout m'a plu. Super. Chloé, est-ce que ça t'a plu? Oui. Ouais, d'accord. Et Alia? Oui. Ouais, super.
enfin la plus-value des Francas, elle se situe vraiment autour de la démarche, dans la façon dont sont construits les ateliers, aussi bien les ateliers autour des sciences que les ateliers autour du cirque. L'idée, c'est à partir d'un premier temps où je découvre une technique, je découvre un atelier, je découvre une pratique spécifique, alors soit le cirque, soit la microfusée, soit la robotique, et bien c'est de partir à ce moment-là sur c'est quoi le projet que les enfants et les groupes d'enfants ont envie de mener collectivement? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues des Francas, ou du moins qui ont été même dans la structure des Francas, ou alors qui ont fait leur BAFA. Moi, par exemple, je sais que j'ai fait tout le BAFA avec les Francas. Donc voilà, après, il y a d'autres animateurs qui ont fait d'autres parcours, mais... globalement, c'est voilà, on s'y retrouve aussi. Tout ce qui est dans les démarches pédagogiques, de faire participer les enfants, de mettre l'enfant au centre de la chose, c'est un truc qui est aussi particulier au Franca, qui est pas mal, que je trouve assez bien. Ça apporte notamment le fait de découvrir les autres, le fait de pouvoir partager des expériences de vie différentes, d'aller jouer avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des gens qui fonctionnent un peu différemment. Ça permet de découvrir d'autres modes de fonctionnement, d'autres façons de penser, et ça permet de travailler sur notamment l'ouverture à l'autre et l'ouverture culturelle. Construire ensemble des choses, aussi bien physiquement, quand je construis un robot ou quand je construis une fusée, que je construis aussi ma façon de m'exprimer avec les autres, et je construis ma façon de m'expliquer, de dire ce que je veux, et de prendre sur moi pour quand les autres ne sont pas forcément d'accord avec moi. Ça me permet d'apprendre aussi la vie en collectivité.